J'ai vendu la maison qui s'appelle Château Gabriel, mais qui n'est pas un château. Mais j'ai tenu beaucoup à conserver cette datcha, qui est un lieu particulier, perdu au milieu des bois. Pour moi, c'est un lieu mystérieux et poétique. Je ne pense pas que cette datcha ait joué un grand rôle dans sa création. Dans sa vie, oui. Parce qu'il venait régulièrement, il passait tout le mois d'août, et il s'isolait dans cette datcha tous les jours. Tous les jours, il y venait, il y travaillait un peu, il devait faire la sieste sur le canapé. Mais en tout cas, il y était lui aussi très attaché. Tu sais, on a acheté cette maison au début des années 80. À l'époque, Yves allait pas très très bien. Mais j'ai cru très sincèrement qu'avec cette maison, il allait pouvoir entamer une nouvelle vie. On voulait aussi voir beaucoup de gens qui étaient là. François Sagan, Marguerite Duras, les Rothschild qui habitent exactement en bas. Enfin, tout ça, c'était des plans que nous avions échafaudés, lui et moi, des conversations que nous avions eues. Puis finalement, on voyait personne. Voilà. On voyait personne parce que tout ça ennuyait plutôt Yves. Et moi, parfois, comme on dînait très très tôt, après, je partais boire un verre ou chez l'un ou chez l'autre. Et en général, on faisait un, voire deux déjeuners pendant ce mois d'août, où venaient tout ça, les amis, des environs, mais pas plus. Quand on a acheté cette maison, on ne savait pas très bien par quel bout prendre. Et puis tout ça a démarré sur une idée d'Yves. Il a voulu en faire une maison proustienne, c'est-à-dire donner à chaque chambre le nom d'un personnage de Proust. Une chambre qui s'appelle Swann, une autre qui s'appelle Charlus, pour ne prendre que deux exemples, puisque c'est la chambre d'Yves et la mienne. Il y a eu Charlus, il y a eu Albertine, il y a eu Saint-Loup, enfin, il y a tout ça, quoi. Swann a été un personnage qui a beaucoup fasciné Yves. Puisque, quand il voyageait, il se faisait toujours appeler Swann. Et c'est le nom qu'il donnait dans les hôtels. Ce qui fait que quand on demandait à parler à M. Saint-Laurent, il n'était pas listé. Il fallait connaître le code. Si on demandait à parler à Swann, on l'avait. S'il répondait, d'ailleurs. Les yeux qui font les seigneurs. Un rire qui, comme sa bouche, voilà le portrait sans...